Noël Bussé au départ du Quintet avec Va très bien, c'est vraiment un très bel engagement pour un retour sur les 2700 mètres après une tentative sur les 2100. Vous l'avez trouvé comment le 17 décembre dernier? Oh, je l'ai trouvé. Bah écoutez, il a subi le numéro 1, qu'est-ce que vous voulez, il était là. Donc il est bien parti, puis il s'est retrouvé en quatrième ligne à la corde et bah, en montant il allait bien. Et puis de toute façon il n'a pas pu s'exprimer pour finir. Et sur 500 mètres, ils vont tous sur le même pied. Il a bien couru quoi, mais il a subi son numéro, quoi, c'est tout. Bon, auparavant vous l'aviez essayé sous la selle et il n'a pas donné entière satisfaction. Écoutez, sous la selle, pourtant il allait bien, mais bon, il y avait des réglages à faire. Il aurait fallu qu'on le court une fois chez nous avant, mais bon, avec les gains qu'il a, on ne peut pas. Il était embouché trop dur. Il fallait faire du réglage. Le poids n'allait pas non plus. Il aurait fallu laisser les fers au lieu de mettre les alus. Donc, c'est une course effacée, quoi. C'est pas. Mais pourtant, monter, il va très bien. On essaiera plus tard, c'est pas grave. Au niveau de son travail, vous le sentez revenir vraiment à son meilleur niveau? D'après Franck Aubry, la dernière fois, il a dit que de toute façon, il avait besoin de compétition parce qu'il était bon, mais il était bien malade. Et je pense que il peine à revenir et il n'y a que les courses, il n'y a que la compétition qui le fera revenir. Autrement, au travail, il a l'air bien. Mais bon, vous savez, quand il était vraiment malade et au niveau où il est, avec les gains qu'il a, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut courir. Hein. Bon, là, c'est vraiment une belle opportunité, hein. Pas d'étranger, pas de 6 ans, pas de 7 ans. Ouais, voilà. C'est sur le papier, ça, fois, c'est très bien. On n'a pas les étrangers pour nous. À l'élastique, je trouve qu'il est bien, il part bien maintenant et tout. C'est une belle course pour lui. Maintenant, il a un bel engagement. Maintenant, vous savez, s'il était le très bien en temps, je dirais qu'il a une toute première chance. Mais là, c'est dur, on ne sait pas s'il est bien revenu ou pas. Il n'y a que les courses qui vont nous le dire. Vous le déférez tout de même des antérieurs cette fois-ci? Oui, je le défère des antérieurs parce que derrière on ne peut pas parce qu'il a les pieds qui sont fragiles. Donc on avait déjà dit prévu que derrière on ne peut pas bien le déférer, mais devant ça va l'avantager pour monter la côte avec les allures qu'il a, ça va l'avantager quand même un petit peu. Il faut mettre les atouts de son côté quand même. On peut l'envisager dans les 5 premiers quand même, va très bien s'il montre son visage, ou en tout cas une bonne partie. Si c'était le va très bien, oui, il ferait partie du Quintet, mais là, j'espère qu'il va vraiment bien courir quand même, qu'il nous rassure un petit peu. J'espère le voir à l'arrivée quand même.